Coucou, salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la santé. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu viens d'arriver et que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Likez et partagez, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire le beignet au yaourt. Pour cette recette, j'ai pris 750 g de farine, 4 œufs, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanille, 2 yaourts aromatisés, 1 cuillère à café de sel et le sucre, j'ai pris 1 pot et demi du pot du yaourt. On y va pour la préparation. C'est une recette super bonne et en plus c'est facile à réaliser. Alors, renversez le 2 pots de yaourt. Ajoutez vos œufs et mélangez bien. Mélangez au fur et à mesure. Ajoutez le sucre. Comme je vous ai dit, j'ai pris un pot de yaourt et demi. Du pot de yaourt en fait, le pot de yaourt vide. Voilà. Là, comme il y a le soleil, on ne voit pas bien, désolé. J'ai cherché la meilleure position, mais bon. Levure chimique. Les 2 sachets de sucre vanille. Voilà le sel, mélangez bien et on va ajouter la farine, 750 g. Mélangez bien jusqu'à ce que la pâte soit lisse, voilà, vraiment, que la pâte soit vraiment lisse. En fait, là, j'ai ajouté un peu de lait parce que j'ai trouvé que la pâte était épaisse. Voilà, c'est pour ça que j'ai ajouté le lait, en fait. C'était un peu épaisse à mon goût. Voilà. Mélangez bien le tout. Voilà, là je pense que la pâte elle est, c'est parfait là. Voilà, vous voyez. Là maintenant on passe à la friture. Pas besoin de laisser reposer, franchement c'est une recette simple et rapide. Voilà. Moi j'ai fait l'erreur d'utiliser une poêle. En fait utiliser une marmite normale. Parce que quand j'ai utilisé la poêle, en fait, je n'avais pas la forme de la galette que je voulais. Voilà. Et j'ai pris cette cuillère-là. Je l'ai laissé tomber. Prenez la main, c'est plus simple et plus facile, en fait. Voilà. Franchement, c'est super bon. Mes enfants ont aimé. Pour le goûter, pour les enfants, franchement, ça change. N'hésitez pas à faire pour vos enfants ou encore les invités. J'ai bien aimé, en tout cas, c'était super bon. Vous avez vu, j'ai pas aimé les formes de la galette. Voilà, la recette est terminée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.
prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Gros bisous. Bye bye.